Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo des coloriages terminés. Je suis un petit peu en retard. Préparer snack, boisson. Je crois que c'est le mois où j'ai le plus colorié de toute ma vie, je pense. Le mois de juin, ça a été pompel up. Je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. Préparez-vous, je les ai pas comptés. Mais j'ai une pile, voilà. Très importante à côté de moi, vous le voyez, c'est encore le bordel derrière. Voilà. Donc on va passer en plan bureau et on va commencer. Voilà. On va commencer par celui que j'ai pas pu vous montrer le mois dernier. Donc dans le Twilight Garden de Maria Troll, j'ai fait une double page pour le défi communautaire de Killy Cat. C'était sur le thème des animaux et des végétaux qui nous entourent. Donc moi j'ai fait cette double page tournesol, ça m'a pris comme ça et je l'ai rapidement faite. J'ai pris énormément de plaisir à la faire, donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer dans son intégralité. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé? Donc, j'ai utilisé du Prisma, bien entendu, hein. Du Stickles, du stylo. Est-ce que j'ai mis du stylogène? Oui, stylogène hybride dans le papillon. Voilà, sinon l'hybride, vous le voyez dans les tournesols. Voilà, le petit oiseau ici. Voilà, j'ai beaucoup, beaucoup aimé faire ce colo. J'hésitais, je me suis dit, est-ce que je l'ai fait dans les teintes basiques? Et puis je sais pas si ça aurait été accepté si j'avais fait une autre teinte, mais voilà, je les ai fait basiques et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc oui, celui-ci il a été fait je sais plus trop exactement. Les tournesols, je les ai fait au mois de je l'ai commencé le 27 mai et je l'ai fini le 29. J'ai pris une color palette de Sarah René Clark. C'est la numéro 22 pour les Prisma. Et donc Stickles, Artistro, Painted Hybrid. Et j'ai pas noté que c'était du Prisma. Mais l'Artistro pour. J'ai fait des petits points derrière, à l'arrière. Voilà, je l'aime beaucoup. Et je me dis qu'il faut vraiment que j'aille plus souvent dans mes Maria Troll. J'en ai que deux et ben, ça c'est pas moi. Chaque fois je vais le dire. Mais je sais pas comment je vais faire pour récupérer. Je pourrais de toute façon jamais le finir celui-ci. Donc je sais pas si je vais pas condamner le colo d'à côté puis coller la page. Je sais pas. Enfin bon, bref. Voilà pour celui-ci. Où c'est que je vais. Où est-ce que je vais mettre ce livre? Tellement. C'est la débandade. Là. Voilà. Je vais le mettre là. Et après, il va falloir que. Je vais passer juste pour combien de temps à ranger mes livres. Parce que j'en ai énormément de sorties. Ensuite, pour le défi de Didiac cette fois-ci. Pour la royauté. Je vais en effet plusieurs. Et je ne vous ai pas montré celui-ci, me semble-t-il. C'est Stéphanie. Donc celui-ci, je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne sais pas si je suis encore sur Google Lens. Si. Alors, comment il traduit ça? Ensemble de coloriage, peint à la main. Animé Avatar, ouais, ça je m'en fous. Mais le titre, c'est Pays des filles. Pays de filles. Voilà. Pays de filles. Hop. On va fermer ça. Donc j'ai fait Stéphanie. Alors au départ, vous avez toutes les petites chibis que vous retrouvez à l'intérieur. Et donc moi, j'ai fait Stéphanie qui est là. Voilà. Elle avait une couronne. Donc, fille, vas-y, banco. Donc voilà. Donc pour Stéphanie, j'ai utilisé des hybrides. On voit, il y a beaucoup de stylo gel. Hein. La robe, je l'ai fait entièrement avec du stylo gel. Donc, Hybridali, les Pentel et les Sakura Stardust. La mouche, elle va me gonfler. Au nom de Dieu. Des Prismas, du Poly et des Stickles.
Donc poli pour les cheveux, Prisma pour le reste. J'ai ouais, des stickles dans la couronne. Et dans ce livre-là, vous avez les fonds qui sont faits. Enfin, il y a des parties qui sont faites. Et là, pour moi, c'était les arabesques voilà, en or. J'ai dû faire les fleurs. Ouais. Donc voilà pour Stéphanie. Et ses yeux étaient déjà faits. Walou. Par contre, ça c'est moi qui l'ai fait, je crois. Je sais plus si c'est moi. Enfin, j'ai rajouté du truc. De... Oh, je sais plus. Je ne sais plus. Mais voilà. Ouais. Ensuite, pour le défi, oui, je fais. J'ai fait pas mal de défis là, au début du mois. De juin. Donc j'ai fait pour le défi de Gaël. Je vous mettrai toutes les chaînes. Chaîne Twitch. Oui, c'est des chaînes Twitch là. Dans la barre d'infos. Donc les Aristochats. Donc c'était le thème musique. Voilà, donc celui-ci, il a été fait en bonne partie en live. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Pourquoi elle rentre toujours dans ce mauvais sens, elle. Tout le temps. J'ai l'impression que je râle tout le temps sur elle dans mes vidéos. J'ai vu que là, du coup, ma voiture est devant. Voilà. Donc, j'ai fait celui-ci. Avec Prisma, aquarelle et schmink. C'est aquarelle schmink. J'ai fait quoi avec les aquarelles schmink? Le fond? Ah oui, j'ai pris. Oui. Donc pour le fond, aquarelle schmink. Hybride Pentel. Voilà. J'ai mis un petit sticky note là dans le cadre, je ne savais pas quoi mettre. Drawing pour le bois. Artistro pour les cordes. Je pense que c'est ça. Et ouais, c'est ça. Donc voilà. Et ça m'a permis d'entamer celui-ci. Donc l'atelier Teens. 40 histoires d'amour. Hop. Ensuite, j'ai fait mon duo avec Princesse, le duo du mois dans le Carlson. Donc là, hop, on avait l'arbre à faire. Donc j'ai pris une color palette, donc c'est la 208. Donc au Prisma, j'ai mis du hybride, hein, clairement. Voilà. Et le fond, c'est de la Supervision. J'ai acheté sur Ali. Voilà. Et du Stickles, bien entendu. Du Lumocolor jaune. Mais oui. J'adore les supervisions. Donc voilà. Ce mois-ci, avec Princesse, on va dans le Midnight Mascarade, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Hop. Après, j'ai fait le défi le fil violet de Taz et ses mignons. Donc, il fallait faire. Mei Mei. J'ai fait une base au feutre à alcool pour Mei Mei. Et sinon, bah, c'est du Neocolor 2, du Jelly Roll, du Prisma. Voili voilou. Je suis pas spécialement satisfaite de ce que j'ai fait. Mais bon. Il est fait. Et du coup, je voulais pas faire de Alice avant un moment, mais je vais pas avoir le choix que de faire Alice. Mais je sais pas encore si je vais respecter les couleurs ou pas. Voilà. Ensuite, j'ai fait un wild. Ah oui, là, c'était au moment où je me suis fait opérer. Bah oui, c'est bizarre. En plus, le mois de juin, c'est le mois où je me suis fait opérer et c'est là que j'ai collé au plus, alors que je devais pas utiliser mon bras. Ok.
Tout va bien, je vais bien. Donc, Wild, je ne sais pas de lequel c'est tiré. Taz m'a donné ses doublons. Donc, je ne sais pas du tout duquel c'est tiré. Alors là, pareil, j'ai mis du supervision en fond et j'ai rajouté. C'est lequel de doré que j'ai mis? C'est du Midas. Je pense que c'est du Midas. Les aquarelles d'Ava. J'ai mis un peu de Stickles. Paul Rubens pour le papillon. Polly. Prisma. Albrecht pour les fleurs et du artistro, non? J'ai pas noté artistro, mais je pense que c'est du artistro. J'ai mis où? Et moi je vois des. C'est du hybride Ali, le noir. Ouais. Donc voilà. Pour mon premier wild, je vais mettre le mois et l'année au dos. C'est vraiment un bassin monumental sur ce bureau. Ah, on n'y retrouve rien. Est-ce que j'ai un. Non, j'ai pas un bic là-dedans. Est-ce que celui-là fonctionne? Je vois. Hop. Voilà. Pour celui-ci. Ensuite, je me suis acheté. Plusieurs PDF de Coco Wayo. Tellement contente. Oui, j'ai fait les 6 tomes de Dizziaki. Donc, j'ai plus de facilité quand je le pose sur écrit quand même. Donc, je me suis acheté des livres de Coco Wayo et je me suis pris le Spooky Cutie. Voilà, j'ai déjà fait une illustration dedans. Donc, je les imprime en A5. Voilà, je trouve ça plus détente et. C'est plus mignon. Donc du hybride, du prisma. Voilà. J'aime trop. Et ils sont cute. Donc voilà. Il va falloir que je me trouve un petit porte-vue en A5 ou je sais pas. J'ai encore regardé ce matin Action. Yoko. Ensuite. J'ai fait. Oui, j'ai pris d'autres PDF. Donc, Chris Rignac. J'ai fait cette petite licorne. Le fond, c'est du Supervision. J'ai mis du gros sel, mais ça m'a juste fait un effet peluche sur mon papier. Ça m'a pas fait de texture, en fait. Effet texture. Supervision. Color palette Prisma 42. Et du stylo gel hybride pour la corne, bien entendu. Et c'est tout. C'est pas du l'aquarelle là? Non? Non, j'aurais cru. Je sais plus. Enfin bon, bref. J'ai bien kiffé. Donc pareil, j'imprime mon A5, j'en imprime deux par feuille. Et puis, en avant, gagnant. Donc voilà pour celle-ci. Par contre, j'avais fait aussi celle-ci du Spooky Cutie. Mais je ne l'ai pas noté sur mon carnet. Donc voilà. Mais bon, là, j'ai mis du Mod Podge, du Prisma. Ça, c'est. Je ne sais pas. Ça doit être du Paul Rubens. Je ne sais pas. Il y a du Pentel Hybride. Et ça. Je ne sais plus. Mais bon, je me suis bien amusée. Je la trouve trop mimi. Et voilà. Ouais. Au moment où ce livre est sorti, le Spooky Cutie, qu'ils ont disparu d'Amazon. Et voilà. Pour une fois que je voulais un Coco Wayo, ils disparaissent. Et là, ouais, j'attendais qu'ils le rajoutent sur Etsy. Et ravi. Et là, j'en ai pris d'autres depuis. Hein. On doutait bien. Non, je note. Hop. Voilà. Je vais peut-être le rajouter. Je pense que je l'ai fait en même temps que. Ouais.
Là, il y a... Hop, alors, la licorne. Ah, ensuite, j'ai fait le chrono pour le Blue Link. Donc, dans le chef-d'œuvre. Et ce mois-ci, c'était Lucas. Enfin, voilà, c'était lui. C'était celui-là qui était à faire. Alors, pour lui, j'ai utilisé du Prisma, de l'Artistro et du Poly. Et pour le fond, ça doit être il y a du Néocolor. Il y a du Tinted. Ouais. Et du Stickles. Bon, je note pas tout, hein. Encore une fois. J'ai rajouté des oiseaux, mais voilà, ils sont dégueulasses. Parce que je trouvais que ça faisait un petit peu vide, mais voilà. Donc, ouais, stickles dans la partie. Il a été rapide à faire. Je l'ai commencé le 11, je l'ai fini le 13. Donc, comme d'hab, hein, le papier est pas ouf, hein. J'ai fait celui-ci et ce mois-ci, il faut qu'on fasse ce Serafiki. Et je suis pas ouf. Hein. Sais même plus où c'est qu'il est. Il est là. Oh, j'ai mis un marque-page en plus. Oh là là. Donc celui-ci à faire. Je vais voir si je trouve une image de référence. Mais je sais pas. Je n'ai jamais fait ce personnage. Ensuite, j'ai fait un duo avec Dizziak, donc dans le Fragile World de Kirby Rosan, j'ai la version polonaise. Donc on a fait celui-ci et on l'a envoyé en plus pour le challenge, le défi de Kili, donc pour les animaux et les végétaux. Voilà. Donc, ce petit hamster, j'avais essayé de faire la fleur de pissenlit blanche, mais ça ne ressortait mais vraiment pas. On ne la voyait pas. Du coup, bah, je me suis dit, tant pis, je vais sortir les néons. J'ai sorti les néons et là, on le voit. Et, donc, du néocolore, de l'Albrecht Dürer, du poli et de l'aquarelle. Aquarelle. Aquarelle. Ah, pour les papillons peut-être. Ah, vous voyez bien vert. Hop, 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 hop. Sur tous les papillons, j'ai remis. Il brille quoi. Il a été... bah, je l'ai fait en une journée, celui-ci. Voilà. Comme quoi. J'ai adoré. Avec de l'aquarellable, c'est tellement les Albrecht, c'est une tuerie. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai fait un duo dans le City Among the Store. Chaque fois, le Staden Blend Jarnona. Donc ça y est, je l'ai entamé. Ça y est, je l'ai entamé, enfin. Donc on a fait le bouquet. Fond supervision. Ah ça, vous allez en bouffer. Hein. Il y a des hybrides. Sinon, c'est les Black Widow. J'ai enfin la gamme de Black Widow complète. Du coup, bah, je les ai sortis. J'ai fait au Black Widow. Et il m'a fait. Ouais, je l'ai commencé le 17, je l'ai fini le 18. Ça a été rapide à faire. Mais j'ai adoré. Et ouais, j'adore les supervisions. J'adore. Voilà. Donc il faut que je retourne. Donc Natashly, si jamais. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai. Et le deuxième que j'avais fait que j'avais imprimé en même temps que la licorne, le petit verre patate là,
Donc, tout simple, j'ai utilisé bah, encore les Black Widow, vu qu'ils étaient sortis. Pareil, il a été fait en une journée, ça a été rapide. C'est beaucoup trop mimes. Il faut que je rajoute. Qu'est-ce que j'ai fait de mon crayon déjà? Ah. Je choisis pas la scie. Hop, voilà. Ensuite, j'ai été dans le petit carré Love Story. Où j'ai fait. Voilà, celui-ci. Il a été plus long que les autres, celui-ci. Le fond interminable. Donc, Hercule et Mégara. Je n'ai pas vu ce Disney. Donc, du Pentel hybride, bien entendu. Hein, là. Et du Prisma. Voilà. Il a ce rendu blanc là, le Prisma. J'ai pas d'habitude, je sais pas. Mais bon, il est fait. Un de plus dans celui-ci. C'est bien. Continue d'avancer mes carrés. C'est tellement plaisant. Hop! Après celui-ci, je suis allée dans le Mysteria d'Anastasia Illy-Koldareva. Donc je l'ai entamé. Je l'ai fait en live, une bonne partie, je dirais. Oui, j'ai commencé en live. Ça a été long pour les cheveux. Donc, les cheveux au poli, le reste au Prisma. J'ai mis de l'aquarelle, du Midas, hein, forcément, il y a du Midas. Du Jelly Roll. Ça, c'est Zoya, il me semble. Non, c'est Yoga. 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 Néocolore pour le fond, là. Et j'ai rajouté avec des drawings, des petits traits pour faire un effet bois. Voilà. Et là, bah, c'est du. Je refais toujours les cils. Je refais toujours. Là, je prends mon Molotov. Molotov. Je sais même pas où j'ai. Enfin, bah, bref. J'ai un crayon noir fin, quoi. Pour refaire les. Les cils. Mais je l'aime beaucoup. J'ai adoré faire les cheveux. Donc voilà. Une jolie entamée. Je suis ravie. Et voilà, on voulait me challenger en faisant une peau. Pas comme je fais d'habitude, bah, j'ai fait une peau plus foncée. Faudrait que j'essaye de faire encore plus foncé. J'essaye encore. Voilà pour celui-ci. C'est long, hein? Je vous avais prévenu. Hein. Ensuite, je suis allée dans mon petit carré Mickey and Friends. Et là, on arrive seulement au 22 juin. Donc, il y en a encore derrière. Hein. Ouais. Alors, là, je voulais faire celui. Ce colo-là avait bavé à l'arrière. Donc, il y avait pas mal de bleu. Donc, hop, j'ai fait un monochrome de bleu. Tant pis. J'ai, bon, ça change. Je me suis vachement détendue. Donc. Prisma, aquarelle et Pentel hybride. Voilà. Pour le bleu, ça doit être Sacha, je pense, que j'ai pris. Pense que c'est Sacha. Ça me fait du bien. Et comme ça, voilà. Les pages se suivent. Mais oui, il y avait du bleu partout, donc tant pis. Par contre, je pense pas que je vais continuer dans l'ordre. Bah, je pense que j'y retournerai, mais en. Pour en faire un autre. Donc, écolo fait en une journée. Hein. Ensuite, j'ai entamé enfin mon Dunkelband que
Le serait m'avait offert. Je l'ai fait en bonne partie en live. Aussi celui-ci. Et pareil, je suis partie sur une peau totalement différente de d'habitude. Alors, Prisma, les Moonlight pour les Sakura. C'est les fluos, les. Voilà. Pentel Hybride. Poli pour les cheveux. Et sinon, un Prisma. Et j'ai utilisé mes petites palettes de maquillage Abyss pour faire le make-up. Vous voyez que ça brille. Voilà. Je me suis amusée avec mes stylos gel à remplir tous les petites pierres, les petits bijoux. Contente d'avoir enfin entamé ce précieux. Voilà. Je sais pas si le replay de ce live a été mis en ligne sur la chaîne. Je sais pas. Bon, peut-être pas encore. J'ai du retard. Hein. Ensuite. Alors, j'ai été dans le petit carré bébé animaux et j'ai fait Coco Lapin. Il est là. Donc là, un fond à l'aquarelle. Et voilà, le personnage Coco Lapin au Prisma. Voilà. Colo rapide, simple, efficace. Voili voilou. Pense que le fond. Non, je sais pas, le fond. Je sais plus. Bah si, ça doit être yoga aussi. Je sais pas. Je sais plus. Je suis perdue. Hop! Après, je suis allée dans le Petite Bête de Rita Berman et j'ai fait une page papier peint. Voilà, ça m'a pris. Je l'ai faite. Alors, le fond, oui, c'est flashy. Hein. C'est la palette d'aquarelle néon, c'est la Opéra de Paul Rubens. Du Pentel Hybride, du Stickles et du Luminance. Ouais, c'est rare. Mais voilà. Ma petite page papier peint. Je suis contente. Est-ce que je ferai matcher les deux pages? Je ne sais pas. Ça risque de faire mal aux yeux. Hein. Mais contente. Contente d'être retournée dans du Rita Berman. J'ai tellement de mal à y aller. Ensuite, j'ai entamé mon mythe et légende. De Kirby Rosan, le fameux mythe et légende que je ne voulais pas, que ci, que ça, machin. Donc, fait en live aussi. Donc, la page des trolls. J'ai utilisé des tinted pour les rochers, du Prisma, de l'Albrecht, Néocolor pour le fond, Jelly Roll, un petit peu dans les yeux. Posca, ouais, pour détourer le soleil, parce que le trait noir, ça aurait fait moche. Et Albrecht, ouais, Albrecht pour l'eau, tout ça, du tinted, enfin, celui-là aussi, il a été rapide à faire. Commencé le 27, fini le 29. Voilà. On le voit, il ressort pas beaucoup à la caméra celui-ci, le petit troll. Il a un peu plus pâle que lui. Je voulais vraiment pas qu'il soit de la même teinte les trois. Donc voilà. Pour lui, non, c'est pas fini. Je vous ai dit, on était au 29. Au 29 juin. Le 27, j'ai pris mon petit carré Winnie Ourson et j'ai commencé Tigrou. Voilà, et je l'ai fini le 29 aussi, celui-là.
Donc là, j'ai utilisé. Bah, j'avais ma palette néon qui était sortie. Hein, donc voilà, j'en ai utilisé pour lui aussi. Du Prisma pour le personnage. Pentel hybride. Et puis voilà, Ah! Vilaine mouche. D'autres aquarelles d'Ava. Du Pentel hybride. Voilà. Ça flash. Hein. Voilà, j'ai fait mon petit tigrou. Tigrou, tigrou, tigrou. Ça, je suis retournée dans ce carré que je voulais tant. Hein. Où je vais pas. Où je vais pas souvent. Ah, enfin, le dernier. Le dernier. Donc, je l'ai commencé le. Ah non, c'est pas le dernier. Non. Et non, c'est pas le dernier en fait. Je l'ai commencé le 29 et je l'ai fini le 30. Donc j'ai entamé mon bloc vie sauvage. Et j'ai fait celui-ci. Pareil, je l'ai commencé. Ouais, je l'ai commencé un soir seul. Et je l'ai fini lors d'un live. Si je ne m'abuse. Donc, Dingo et son ami Donald en campeur. J'ai utilisé les No Color, Prisma, Posca, Pastel Gras, Sennelier pour l'effet un peu flouté de la lune. Pareil, j'ai enlevé le trait noir dégueulasse. Mais je sais pas, je suis pas. Hein? Voilà. Albrecht. Et Jelly. Hein. Pas mal de Jelly Roll blanc. Hein. Et voilà pour ce colo. Qui n'est pas le dernier, qui est l'avant-dernier. Mais oui, j'avais plus de temps pour colorier vu que je venais de me faire opérer. Bilan, bah, je faisais plus les tâches ménagères, je pouvais pas faire. C'est pour ça. Et le dernier, c'est le deuxième que j'avais imprimé. Non, c'est un soir. Non. C'est quand? C'est un dimanche. Liam voulait faire du coloriage avec maman. Du coup, bah, j'ai imprimé sur du. J'ai imprimé en 1 à 5 des petits monstres de Chris Rignac. Et moi, j'ai fait celui-ci. Voilà. Donc, il a été fait avec des Artix, du Jelly. Jelly blanc, ouais, pour les yeux. Et du Pentel hybride. Mais voilà, Artix. Puisque je voulais pas lui prêter mes prismas, je lui ai prêté mes Artix. Je vais vous montrer son colo. Je l'ai aidé. Je l'ai aidé, je lui ai donné ses crayons de couleur. Je lui ai dit, là, tu mets du foncé, là, tu mets du. Hein, et là, c'est du Albrecht pour lui. Je lui ai prêté mes Albrecht. Oui. Il a mis du Pentel et tout. Donc. Ces petits colos, il va les donner à la maîtresse pour la fin d'année. Voilà. Je sais pas si elle va kiffer. Nous, on a bien aimé les faire. Va dire c'est un peu bizarre. Ils sont trop mignons. Trop mignons. Donc voilà. Ça sera donné à la maîtresse bah, demain. Parce que demain, c'est le dernier jour d'école. Je vais rajouter. Même si je le donne, c'est pas grave. Faut qu'il rajoute un petit mot d'eau, il écrive un petit peu et puis bon. Ça changera de la tablette de chocolat, du machin, de la tasse, de machin. Elle va encore en avoir une sacrée collection, donc je me suis dit autant lui faire faire un truc créatif et puis il voulait faire. Donc là, ça c'est la version de coloriage quand il colorie avec maman et je vais vous montrer la version quand il colorie avec papa. Voilà. Quand il colorie avec papa, ça donne ça. Quand il colorie avec maman, ça donne ça. Et forcément, papa, il est à côté, mais il ne va pas lui dire. Et il était embêté parce qu'il n'y a pas de grayscale là. Mais maman, là, il n'y a pas les zones comme sur l'autre. L'autre, c'est plus facile qu'il me dit. Bah, je lui fais oui.
Que là, tu sais où mettre ton foncé, ton moyen et ton clair. Bah oui. Donc, il préfère le grayscale. Bon, je sais pas s'il va pas lui donner celui-là aussi. Hein. Elle va croire que c'est moi qui fais celui-là aussi, mais non, c'est pas moi. J'y ai pas touché à celui-là. Si j'ai blindé un peu le visage. Donc voilà, pour les colos du mois de juin. Combien? Oh là là, c'est long, hein? Je suis désolée. C'est bon, là, vous avez de la matière. Hein? Mais oui, j'ai jamais autant de colos. Truc de fou. Mais ouais, j'étais vraiment motivée. J'enchaînais vraiment. J'ai pas fait beaucoup de montage. Le mois de juin. Là, j'ai du retard. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à me mettre votre colo préféré. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas, si vous voulez faire un duo, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas à me mettre ça soit en commentaire, soit venez me voir sur Insta en MP, il n'y a pas de souci. Je vous fais des bisous et à bientôt. Prenez soin de vous.